c'est des joueurs qui étaient entrés en Haïti parce que comme nous connaissons la sélection nationale pour entrer en Haïti le 8 septembre, nous avons pour nous recevoir la sélection officiellement. Mais M. Chao, qui vient dans le pays, nous pouvons dire qu'il a passé quelques jours avec nous. Nous avons jugé bon pour nous recevoir d'une manière amicale. Nous sommes capables de faire connaître que Haïti est fier de ce qu'il a fait. Et nous souhaitons parler avec eux. Nous parler de l'union, faire la force qui s'est devise. Nous souhaitons dire comment eux-mêmes, c'est dans mettre tête ensemble qui fait arriver, faire pour cet exploit que vous faire. Et Fom dit que je suis fier de monsieur parce que normalement, je senti que ça me tape garder dans la télévision par rapport à ça me tape penser. Je souhaite prouver que c'est notre tête ensemble, nous vivons ensemble. Je même dit jusqu'à présent, yo a communiqué avec l'autre, ça veut dire équipement uni. Et moi, je souhaite faire une demande là, non, non, papa, ici, je souhaite dire, moi, j'ai aimé la sélection sur le terrain Qatar. Parce que c'est 2022, c'est ça maintenant. Nous avons un seul choix. Nous avons même deux. Parce que le jeune, ça, c'est le même qui a venu payer. C'est-à-dire, l'État n'a pas même pas capable de comprendre comment pour des jeunes qui ont même qui sont là, qui ont travail, c'est talent d'ailleurs. Et nous, comme ça veut dire, nous avons un don. C'est-à-dire, un monde qui prend du football, un monde qui prend du sport, ça veut dire, c'est pas 11 500 000 haïtiens, c'est des heureux élus que eux, c'est des gens choisis. Et c'est pour ça, même Jean Noté Fer, l'équipe féminine, nous songeons, nous avons pu aller en France, l'État est gommé avec les mecs aussi ce que nous avons, nous avons pu en France pendant près de 2 mois. Tout le pays ici, qui a regardé, qui a attendu là, je pense que la sélection nationale là, c'est un exemple d'union, un exemple de vivre ensemble. Et Céline toujours prêché depuis le premier jour. Moi, j'ai commencé la campagne électorale jusqu'à ce que moi j'ai arrivé sous pouvoir. Et Céline a continué à prêcher. Nous connaissons des moments difficiles dans le pays. Le pays a besoin de gouvernement. Nous travaillons avec l'institution qui l'a poussé, par exemple, le Parlement haïtien. Nous dialogué, nous parlé pour que d'ici peu, nous sommes capables d'autres pays dans le gouvernement pour nous capables de débloquer la situation que nous connaissons qui bloquait dans le pays depuis démission ancien gouvernement le 18 mars de cette année. M'a dit sélection nationale là, qui gagnait près de 25 joueurs, c'est ça. Et dirigeants, entraîneurs, qui secrétaire général fédération, vice-président de fédération qui est avec nous, ministre sport là, qui est avec nous là. Je remercie vous tous pour gros coup de main ça que vous avez fait peuple haïtien. Parce que c'est le match football, ça, je voulais parler de semi-finale ça, Haïti était perdu. Mais tout le monde, nous avons vu l'union faire la force. Nous avons vu comment Haïtien, Tabdi Jodia, vous avez dit que vous n'avez pas eu, vous avez Saba pas eu, vous avez Donald Guerri pas eu. Vous avez cité dans chaque grand joueur. Et je pense que ça, son motivation que lié pour nous aujourd'hui, pour nous connaître que tête ensemble, mais qui ça que le cap ban nous. Et nous sommes pour le son en meilleur là. Je suis dit que le Meshak Jérôme blessé, bien Jonel Désiré Kantré qui m'a dit écoute Meshak. Je dis le Meshak blessé et puis je suis tombé crié. Ça veut dire pour me dire que aujourd'hui, pays ça, le mettre tête ensemble, le nous-mêmes haïtiens nous mettre tête ensemble, nous avons fait un miracle. Et c'est ça. Mandé aujourd'hui pour que Haïti que nous rêvions, et pas qu'à nous craser briser, c'est dans vivre ensemble que nous avons besoin. Je remercie nous. Et monsieur, je compte sur nous. Je connais que c'est des grenadiers que nous sommes. Je crois que nous prenons la bataille pour nous mener à Haïti, pour nous prendre revanche nous, pour nous dire dans Qatar 2022. Pour cette année, nous avons déjà gagné un cahier de charge que nous soumettons au gouvernement en termes de planification pour différentes sélections nationales. Par exemple, la semaine prochaine, il y a une équipe olympique là pour aller à l'Île-Caïman. On a déjà parlé à la Premier ministre. Le président va faire vert pour continuer à accompagner nous. Nous avons les moins de 15 ans pour aller aux États-Unis, les moins de 14 ans filles qui peuvent aller à Porto Rico. Nous avons une sélection senior là, qui va être en stage à partir du 1er septembre. C'est toujours avec l'aide du gouvernement, notamment du président de la République. Et puis nous avons mesdames qui vont entrer en compétition le 30 septembre
venir avec M. 17 ans pour passer un mois en France. Et d'ici 1er septembre ou 1er octobre, et puis vers 3 octobre, il y a bien pour aller au Brésil, pour aller faire près de 22 jours avant la compétition qui a commencé le 26. Alors, en gros, je dis, c'est différentes discussions que nous avons dedans avec le président et l'équipe. Et comme d'habitude, le président va nous garantir que le travail va continuer. Engagement l'État prend par rapport à ce sport en général dans le pays. Et il y a un peu de démarches. La première démarche qui a été faite avec le ministre sport, et qui malheureusement pas Kembe. Nous sommes révisés la stratégie nous, et sous instruction du président. Moi, je crois que d'ici jeudi, nous avons commencé à gagner des films qui vont aller dans le stade civil 14 pour garder qui ça a pour faire. Et garantir nos cabailles, le stade de la Paris, pour les recevoir Ligue des Nations. Et ceci, suivant les recommandations de la FIFA. Nous connaissons que le stade de la Paris, après tout le monde, nous sommes dit là, Jaco. Et parallèlement, le gouvernement travaille sur une stratégie côté que la permet que les peuples haïtiens, à travers des sites identifiés, tant que Kios Oxygenti, tant que Place Jérémy, tant que Centre Carrefour, tant que Place Boyer, côté que nous allons aménager un environnement qui a permettre que un peu le monde capable de jouer, même genre avec le monde qui est dans ce stade-là. Match football, surtout match sélection nationale qui vient pour faire dans le cadre de Ligue des Nations. Donc nous-mêmes, nous allons faire tout ça que nous sommes capables et techniquement pour nous rendre Ligue des Nations un espoir et côté que tout le peuple haïtien lui-même est capable de jouer dans des conditions qui sont acceptables. Je remercie tout le monde qui supporte nous et je continue à espérer que vous supportez nous. On a continué à gommer pour le pays, ça c'est le premier but, et défendre couleur le pays. Et moi, en tant que frère Donald, frère Nazon, et frère toute la sélection, je remercie tout le monde pour ça, pour les gens qui ont été avec nous derrière nous, et je dis nous merci. Je ne suis pas plus fier que ça, son honneur, et d'ailleurs, c'est. Je ne sais pas même qui je me dis, son bagage que j'ai toujours espéré faire, et je dis merci. Comme toujours dit, ça qui arrive là, au contraire, c'est vrai, les frappes, les blessés, non, parce que nous travaillons dur pour nous arriver là et que ça passait, mais nous pas découragés. Donc, nous sommes des soldats, nous toujours apprend coup dur et puis pour nous avancer vers l'avant. Nous n'avons pas qu'à quitter ça et à faire nos problèmes parce que nous avons un pays, toute une nation qui est sous nous, nous avons un chai. Et ce n'est pas ça le président qui a payé ce dos, nous avons payé ce dos nous tous, nous supposons bailler tout nous-mêmes et que pour nous faire que nous soyons contents. Je voulais remercier le président et puis tous les ministres qui ont recevoir nous aujourd'hui dans le palais. Jean-Donaldi et Jean Sabadi, c'est pour nous-mêmes son fierté, jouer pour Haïti. So, on a continué à bailler tout ça nous gagne. Et puis je pense que vous avez posé une belle question pour habiter Qatar là. Je pense que la plus belle réponse, c'est de nous qualifier pour Qatar en 2022. So, on a essayé de mettre tête ensemble et puis continuer comme ça pour nous rendre Haïti fier et puis tout Haïtien fier et puis pour nous aller de l'avant.